Bonjour à tous, ici Saitoshi. Donc je me lance dans une série de vidéos sur le serveur des Cheetahmen sur Minecraft. Et donc le but de ces vidéos, ça sera de montrer le serveur quand il y a des personnes qui jouent et les évolutions qu'il y a eu sur le serveur et ce qui se passe en fait en temps réel, quoi. Donc je ferai des petites vidéos tous les jours ou tout. Je sais pas, peut-être deux fois par jour, je verrai selon mon temps. Donc dès le départ, toutes les vidéos, en fait, chaque début de vidéo, je vais présenter les personnes qui sont là. Donc aujourd'hui, on a The Cheetahmen, c'est Gino, et Neosia. Neosia que j'ai jamais vu encore, mais je sais qu'il devait venir sur le serveur. Donc commençons, on va faire un petit tour de la ville, vite fait. Hein. Donc il y a eu pas mal d'évolutions, mais ça, ça sera les Cheetahmen qui vous les montreront, je pense, pour le métro et tout, ça sera les Cheetahmen. Moi, c'est juste pour montrer un petit peu ce qui se passe, quoi. Et pour que les abonnés des Cheetahmen puissent suivre nos aventures sur le serveur Minecraft. Donc par rapport aux autres vidéos, ça a de nouveau bien évolué, quoi. Là, on a l'Apple Store. Très joli. Je sais même pas si on peut rentrer dedans. On va rentrer, on va faire une petite visite comme ça. Hein. Qu'est-ce qui est marqué? Moins 1, les iPads, iMac, et moins 2, Genius Bar. Ok, on descend. Trot, trot. Donc là. D'accord. Waouh. Ça, il s'amusait, hein. Comment on parle là? Genius Bar est juste en bas. Il est là. Ok, d'accord. Sympa. Bon, on va ressortir d'ici. On va essayer de ressortir. Il s'est bien amusé. Hein. Je sais plus qui l'a fait. Mais il s'est amusé. Donc là, j'ai vu juste avant, je me suis connecté vite fait pour voir s'il y avait du monde. Parce que je me suis dit, je vais pas faire une vidéo où il y a personne. Sinon, c'est pas marrant. Donc j'ai vu que mon cher ami Kronzi a fini notre magasin, en fait. Il a bien tout avancé et tout. On avait discuté un petit peu et en fait il a bien fait, quoi. Il y a juste un petit bug au niveau des portes, c'est ce que j'ai vu. C'est un peu la galère pour y aller, quoi. Donc comme je vous montre vite, hein, quand même. Donc là, on a une poignée qui ne marche pas, et là un petit bouton, et voilà, c'est le problème de la porte. C'est les tempos des portes qui sont un peu space. Et donc voilà ce qu'il a fait notre ami Kronzi. Bon, faudra que je reprenne ça parce que ça c'est bien, mais faut faire ça plus que ça marche mieux, quoi. Il faut que ça donne du rendement. Bon, là on a une tonne de canne à sucre, une tonne de cactus. Bon, ça nous sert pour notre commerce, quoi. Nous on vendra des graines. Enfin, les gens le savent, quoi, je pense. Voilà. Hop. Ouh, j'ai réussi du premier coup à sortir, c'est pas possible. Avant je buguais. Donc je ne sais pas où sont nos amis. Faudrait que je leur demande ce qu'ils font. Juste leur demander, vous faites quoi de beau? En attendant qu'ils me répondent, on va se balader un petit peu. Donc là, c'est la maison de qui? Je sais plus, de Jules. Donc j'attends une réponse. Bon, on va faire un petit tour quand même. Donc ce qui a évolué, c'est le métro déjà. Rebooter le serveur, c'est pas bien ça. Et moi et ma vidéo, je fais comment? Et voilà, comme ça c'est fait. Le gros fail pendant la vidéo, c'est cool. Donc là, ça fait à peu près 5 minutes. Je vais faire des vidéos de 10 minutes, je pense, hein, pas plus. Hein. Ou d'un quart d'heure. On va voir s'il reboot vite. Et voilà, nous revoilà. Let's go. C'est reparti. Le gros fail dans la première vidéo, c'est trop fort. Donc on va un petit peu se balader, je vais vous montrer. On va par là, on va par là. Bon, ça a même peu de temps de charger parce qu'avec Fraps derrière qui tourne, ça fait un petit peu de temps de chargement, quoi. Vous avez vu mon beau soleil? C'est un soleil qui est rectangle. C'est à cause de mon pack de textures, en fait. Donc là, ici, on a une des entrées. Voilà. Il reboot le serveur de nouveau, super. La vidéo fail, j'adore. Et voilà. On revient et on attend un petit peu. Donc sinon, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le but des vidéos, c'est pas de prendre la place des Cheetahmen au niveau des vidéos de Minecraft. C'est juste vraiment pour faire quelques petites vidéos, comme ça on s'ennuie pas et tous les abonnés peuvent voir un peu ce qui se passe vraiment sans que ce soit l'anarchie comme dans chaque vidéo qu'on fait, quoi. Parce que dès qu'ils font une vidéo, c'est un peu l'anarchie. C'est le bordel même. Ça se tape dessus, ça se vole et ça part en vrille. Donc je vais attendre vite. Hop. Voilà, c'est bon. On fait chier là, hein.
Ça reboot toutes les 30 secondes là. Ah, ça m'énerve. Faut qu'il fasse ça quand je fasse ma vidéo. Hein. Pas marrant ça. Bon, bah, on va attendre. Donc ouais, c'est vraiment, vraiment pour montrer le serveur comme ça. Quand on fait les débiles, quand on fait des choses, ça dépend. Il y a beaucoup de trucs qu'on fait ensemble. Donc c'est sympa des fois de faire des petites vidéos quand on est en train de miner. Et... ou de faire le métro par exemple. J'en avais fait d'autres, mais ça avait bugué en fait. Donc j'ai dû en refaire. J'en refais une autre. Et voilà, c'est parti. Donc je vous l'ai montré ici. Ça, c'est une des entrées d'un truc qui... Ouhou. Donc on descend. Et nous voilà. Dans un petit circuit de minecart. Donc je vais vous montrer vite fait. Hein. J'espère que ça aura le temps de charger. Ouais, c'est bon. Non, même là. On se met dedans. Et hop. Et hop, et c'est parti pour un petit tour. Donc ça, ça sert à relier le continent à une île qui est de l'autre côté. Donc il me dit qu'il est en train d'essayer des plugins pour arrêter l'orage. C'est vrai qu'on a beaucoup d'orage et beaucoup de flotte à chaque fois. Il pleut tout le temps, c'est un peu chiant quoi. Des fois c'est un peu brise-burne. Donc là, on peut monter, tac 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 tac. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Une pyramide géante. On va monter quand même hein. Hop, hop, ah, ils se sont amusés, hein, purée. Je suis pas venu depuis deux jours, ils se sont amusés. Hein. Oh là là. C'est une bande de psychopathes, je vous le dis tout de suite. Waouh. Waouh. On peut rentrer dedans ou quoi? On dirait qu'on peut rentrer dedans. Putain, ils sont vraiment éclatés. Ça, c'est Fox qui a fait ça. Je sais pas, c'est la flamme olympique qu'il a dit. Donc c'est pas mal, j'aime bien, c'est marrant. Ça sert pas à grand chose, mais c'est marrant. Notre belle statue de la liberté. Et donc après pour revenir, en fait ça sert juste en fait de venir de là-bas, vous avez vu j'étais là-bas avant. Et on est passé sous la mer pour venir jusqu'ici en fait, c'est tout, ça sert que à ça. Un petit truc de minecart, on va le reprendre. Hein. J'ai pas envie de... J'vais pas me TP. Donc, hop, on pose notre petit wagonnet. Et... Ips, et il veut pas... Ah! Non! Reste là. On recommence. Hein. Les wagonnets, on se met dedans, on clique et c'est parti pour un tour. Donc c'est super joli quoi. Franchement, dans Minecraft, on peut vraiment faire des trucs de fou quand on a les idées quoi. Et là, on est franchement beaucoup de personnes, on a beaucoup d'idées et c'est vraiment de les développer quoi. Mais voilà, arrivé. Oh. Ce qu'on va faire, on va casser les minecarts et on va les mettre là dedans comme un bon citoyen que je suis. Hop là, là je suis à combien, 7 minutes à peu près, c'est bon, encore 2-3 minutes et ça ira. Donc voilà, ça c'est une des trucs. Donc sinon, qu'est-ce qu'il y a de bien qui a changé? Bah les gars, ouais, mais bon, ça ils vous montreront. Donc je le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, hein, c'est pas le souci quoi. Ah, maison qui construit là, je sais pas qui c'est. Wow, qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est... Voilà un petit amène. Je viens voir ce qu'il y a dedans. Wow, c'est joli. Oh purée, il s'amuse. Wow, c'est joli. Ouais, voilà. Super, super. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Rien du tout, à part... que je vais bientôt arrêter la vidéo et que je vous retrouverai dans une autre vidéo quoi. J'espère que le concept vous intéresse quoi. Faudra me le dire sur ma chaîne pour me dire si ça vous intéresse ou pas quoi. Et me donner des idées si vous avez des idées. Faire une journée, une vidéo spéciale jeu, spéciale on casse tout. Faudra me dire. Il y a pas mal de choses qui ont évolué quand même. Là, qu'est-ce qu'on a ici? La maison de Doom. Dire qu'avant il n'y avait rien ici, il y avait une maison de Doom, c'était la dernière, et maintenant tout ça a poussé, là. Ça pousse comme des champignons en fait chez nous. Un truc de fou. Hop, on va rentrer, on va voir, c'est chez qui? C'est chez Néosir. Ah ouais, il a commencé sa maison. Ça a l'air sympa. Ah super, ouais. Ah purée, il s'est éclaté, il a fait un tour et tout. Bon, la mienne, je ne l'ai pas encore montré, faudrait que je... Bah tiens, je vais vous la montrer pour la fin. Comme ça sera fait.
tout le monde vite pour la fin. Ma maison qui n'est pas finie, que je vais modifier encore. Hop. Tac, voilà, donc c'est ma maison, c'est mon entrée. Avec mon petit salon personnel. Ma genre de cuisine, je sais pas ce que c'est. Ouais. Une genre de cuisine. En haut, c'est ma chambre. Enfin, mon lit. Mon double lit avec mon petit salon pour lire des livres. Et au-dessus, notre ami Batou, Krunzi, m'a fait une barre pour les stripteaseuses. Ok, mais je vous remercie tous de regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye.